Si les injections d'acide hyaluronique restent le moyen le plus durable d'afficher une bouche plus volumineuse, nombreuses sont celles qui ne souhaitent pas passer par la case bistouri. Heureusement, il est tout à fait possible de redessiner ses lèvres en utilisant simplement du maquillage et un peu de technique. Pour cela, Mary Philips utilise la célèbre méthode de l'overlining, qui consiste à tracer une ligne presque imperceptible qui s'écarte légèrement du contour naturel des lèvres, à savoir 1 ou 2 mm au-dessus. Si la plupart utilisent un crayon à lèvres nude, la make-up artiste de Kendall Jenner privilégie un autre produit de maquillage, la poudre bronzante. Si les injections d'acide hyaluronique restent le moyen le plus durable d'afficher une bouche plus volumineuse, nombreuses sont celles qui ne souhaitent pas passer par la case bistouri. Heureusement, il est tout à fait possible de redessiner ses lèvres en utilisant simplement du maquillage et un peu de technique. Pour cela, Mary Philips utilise la célèbre méthode de l'overlining, qui consiste à tracer une ligne presque imperceptible qui s'écarte légèrement du contour naturel des lèvres, à savoir 1 ou 2 mm au-dessus. Si la plupart utilisent un crayon à lèvres nude, la make-up artiste de Kendall Jenner privilégie un autre produit de maquillage, la poudre bronzante. Alors, coucou, moi c'est Léonie, j'ai 36 ans, j'ai 2 filles et mes passions, enfin c'est ma première séance de féminisation de la voix. Mes passions c'est la musique, la plongée, l'escalade. Voilà, l'art en général. Coucou, c'est Léonie. Alors, j'en suis à ma 14e séance de féminisation de la voix. Je suis très contente de comment ma voix a évolué. Je sens que j'ai encore beaucoup de travail. Finalement, c'est le début d'un long chemin. Mais j'ai toutes les clés en main maintenant grâce à Mariella. Donc, merci beaucoup pour ça. Et je me réjouis d'avancer encore sur ce chemin long, mais très enrichissant de la découverte de ma nouvelle voix. Voilà!